Alicia MAPR6 perfusée, pour rester en vie, elle sort une nouvelle fois du silence depuis l'hôpital. Alicia a été hospitalisée en urgence pour avoir contracté la Covid-19. La jeune femme donne des nouvelles à ses fans. C'est dans la dernière saison de Mariée au premier regard que la jolie blonde a trouvé l'amour dans les bras du beau Bruno. Les deux candidats étaient compatibles à 83%. La belle et le jeune homme ont eu un véritable coup de foudre. Ils ont vite compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Depuis cette aventure, ils ne se sont plus jamais. Alicia et Bruno vivent désormais sous le même toit et envisagent de fonder une famille. Le couple est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Alicia a été emmenée en urgence à l'hôpital. La jeune femme ne se sentait en effet pas très bien. Elle a alors décidé de faire un test PCR et le résultat a été positif. Mais voilà, très rapidement son état de santé s'est dégradé. Après avoir contracté la Covid-19, la belle a aussi fait une pancréatite et une hépatite. Son compagnon Bruno a poussé un violent coup de gueule au sujet de la récente prise en charge de sa dulcinée à l'hôpital. Aujourd'hui, Alicia est de nouveau sortie du silence. Elle se confie sur son état de santé. Alicia est hospitalisée pour une durée indéterminée dans sa story Instagram. La jeune mariée a partagé une photo d'elle dans son lit d'hôpital et a écrit « Bonjour à tous, je tenais à vous remercier pour vos messages. Malheureusement, je ne peux pas tout lire. Je suis très fatiguée, mais niveau douleur je suis prise en charge. Je dois rester à jeun donc sans eau ni nourriture plusieurs jours pour laisser au repos toute la fonction digestive pour que le foie et le pancréas puissent guérir tranquillement. À partir de là, on pourra voir ce qui est nécessaire pour mon pancréas. J'ai bien évidemment des perfusions vitaminées pour rester en vie, ne vous inquiétez pas. Je suis hospitalisée en durée indéterminée. On espère qu'Alicia sera vite rétablie.